Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit peu de tournoi. On est en plein tournoi de du magicien. Pour l'instant, j'ai gagné le petit et le grand. Je suis à 21 points. Je vais pas jouer tout le week-end comme j'avais l'habitude de faire avant pour essayer d'avoir une grosse place. On va juste se contenter d'essayer de gagner un ou deux petits tournois. Et une fois que ce sera fait, je vais pouvoir m'assurer une place dans le top 10, je pense. Là, on est combien? On est numéro 11. Je pense que ouais, si je monte à 23, 24 points, je pourrais finir 8-9, quoi. Ce qui m'irait parfaitement. Donc, c'est parti. On va pas perdre plus de temps. On joue du overtime en ce moment. Je sais que j'avais dit que l'overtime, c'était pas très adapté en mode tournoi. Maintenant, je trouve que c'est assez adapté dans la méta actuelle. Parce que je contre les rushs, je contre les drapeaux, je contre les squelettes. Je me défends très très bien contre les power decks. Et pour tous les autres decks, croissance, etc. Je reste faible, mais j'ai toujours la sorcière, quoi. Donc, ça me permet d'avoir une défense assez sympathique contre tout ça. Voilà, rien de plus à ajouter. On va attendre qu'il s'approche. Hop. On a tout le monde. Bon, on va sortir tout ça si on peut. Après, si croissance pas, juste une foudre, ça ira. Hein. Allez, on foudre. On flèche parce que si jamais il avait le sort de vie, j'aurais été déçu un peu. On se garde jusqu'au bout nos sorcières. Oh, dommage. Ce que je voulais, c'était surtout tanker pour l'élémentaire de glace. Ça va être... Si on n'a pas de vent, je vais utiliser la première sorcière. Ok, utilisons-la. Pas trop de convictions sur cette sorcière, mais il n'a pas l'air d'avoir de quoi la contrer. On va se cramer des flèches qui sont un petit peu moins utiles en fonction du deck qu'on affronte, là. On peut avoir tout ou pas? Ouais, parfait. Bon. On recule tout le monde et après on va faire le push final. Là on devrait tous là on devrait finir la partie. Vous savez quoi? On peut même envoyer le dernier dragon là. On va sauver le dragon, de toute façon c'est la fin, on a gagné. Parfait. Leur statue ou pas? Ouais. Bon, et là je vais vendre, j'ai envie de garder le reste. Ça va, c'est du faucheur. Qu'est-ce qu'on affronte? Ah, trop tôt.
pensais pas qu'il avait ça. Ah là, il m'aurait fallu d'autres flèches. J'en aurais pas, j'ai déjà utilisé mes deux, mais c'est dommage. J'ai utilisé ma statue aussi, je me souviens plus. Oui, j'ai utilisé au début contre son bouffon. Bon, ça va aller. Maintenant j'ai pouvoir dragon. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir poison baliste? Ouais, parfait. Allez, un petit vent, on vent élémentaire de feu, terminé. Non, pas de vent. Allez, allez, allez. Yes. Bon, là on gagne, hein. J'aurais plus besoin de mes sorts de vent. Bon, je vais sortir parce que je sais pas lui comment l'utiliser, je pense. Parfait. J'étais un peu loin du micro, j'espère qu'on m'entendait bien. Dunch. Ok, élémentaire. On va faire ça avant qu'il métamorphe. Bon, protection qui tombe, mais à mon avis, on ne tombe pas. Il va vent ou drapeau ou faire quelque chose. C'était sûr. Ah. Bon, on va foutre maintenant tant qu'on peut. Allez. Yes. Yes, yes, yes. Génial. Ah non, il a ses deux tanks, zéro dégâts. On va se faire ça au passage. Si jamais on peut se faire son Reaper tout de suite, c'est ça de pris, hein. Hop. Sauvons-nous un petit peu d'HP. Ok. Et dès qu'il est au bout, je le gèle. Je peux pas foudre, comme il a son golem, c'est le golem qui prend la foudre si jamais je foudre, du coup je peux pas me faire son machin. Dommage. Déçu, il s'imaginait pas ça je pense. Ok, on va pas le laisser s'installer. Quand on commence à brûler les vents contre du deck drapeau, on sait que c'est la fin. Quoi. Soit c'est la fin, soit c'est une erreur, mais... Terminé. Round 4.
Ok, je sais pas si vous voyez la banderole là-haut, mais je sais pas trop quoi écrire sur ma banderole. Est-ce que... Parce que j'ai dû recréer mon layout, alors est-ce que je remets les remerciements pour tous ceux qui m'ont fait des dons pendant les lives, ou est-ce que vous voulez autre chose? Est-ce que... Dites-moi. Je suis en manque d'inspiration pour cette petite banderole. Ah ah, on va attendre son élémentaire avant de flèche. On va essayer de l'abîmer un peu. Espérons que ça marche. Tue-le! Oh, come on! C'est le cas de le dire! Allez, come on encore ou pas? Là, on est bien. Il a utilisé ses deux drapeaux. Et je vais pouvoir utiliser ça. Il a plus de drapeau, là. Mm-hmm. Si j'avais su qu'il allait faire ça, j'aurais pu directement élémentaire. J'aurais été mieux. Drapeau ou pas ? Ok, flèche, on nettoie. Ah, vas-y, 1 HP quoi. Bon, moi dragon. Attends qu'il drapeau avant le dragon ou pas? Non, vas-y, moi dragon maintenant. On va essayer de le pousser à la faute. Bon, parfait, ça. En bas, on récupère tout. On va vraiment pas le laisser s'installer, quoi. Terminé. Ça va être du rush encore, je pense. Moi ça me va, avec mon OT, je suis quand même assez favori. Je suis pas invincible contre le rush, il y a des fois je me fail, mais dans l'ensemble je suis quand même fort contre ça. Bon, je crame le premier élémentaire de feu, peut-être une bêtise, mais... Ouais, c'était sûrement une bêtise, je sais pas. On verra. Parfait ça. Bon, petite statue, petit quelque chose, élémentaire de glace. Allez, vite, flèche. Ah! Yes. J'ai un truc ou pas? Non, j'ai rien. Bon, je vais double flèche. Hein. Parfait, ouais. En plus, il a... Il a ça. Ça va clairement double flèche. Si là, il pouvait me faire come on et moi, j'envoie l'élémentaire de feu, ce serait royal. Fais-le. Bon. On va improviser. Un peu étrange son décrèche. Hein. Come on. Le dragon. You
jusque là. Ouf. Ça va, il avait pas de commande de dernière minute. On a 800 PV. Hein. Jusque là, non, rien du tout. Jusque là, c'est compliqué. Allez, boum. Mange l'œuf. Bon, là c'est fini, non? J'ai 2600 PV. Il a plus de cartes. Oui, bien sûr. Bien sûr, le dragon. Là, on termine. J'en vois pas l'autre dragon. Terminado. La moitié de fait déjà. Gros match là. CP3, principalement du power deck. Après, comme on est en tournoi, ça peut être un peu n'importe quoi. Mais ça reste quand même un joueur de power deck à la base. Ok, ça commence à l'ange. À mon avis, ça va être du power. Phoenix sur la même ligne ou pas? Parfait ça. On sacrifie un peu cette statue, mais je vois pas quoi d'autre sacrifier. Pour lui mettre un petit coup de flèche ici. Comme ça, on affaiblit sa statue du bas. On a fait grossir l'ange noir. Ouais, ça va. On a 8 de mana, là on est bien. Ok, lui on va le faire passer dans le dos. Comme ça, on peut affaiblir l'ange noir. Et comme l'ange noir n'a pas tapé, on ne le stack pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir sortir flèche? J'en doute un peu contre CP3, mais on va essayer. Aïe aïe aïe. Bah ouais. Bah ouais. On va se prendre quelques coups. On va dragon au milieu. Ah, ce timing du dragon, il nous met mal. Hein. C'est fait exprès, c'est pas de la chance, il le savait. Il était à portée de flèche, du coup il a. Ouais. Ok. Bon, il a que les troupes corps à corps en bas, du coup on pourrait faire ça. Ouais non mais là on se fait au clé à mort. À mon avis, c'est mort. On s'est clairement fait outplay. Bien joué CP3. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce coffre? Bon, de l'or principalement. Après ça va, 10 gemmes les 300 pièces, je prends, c'est un très bon rapport qualité-prix quand même. On va s'arrêter là. Donc Win, il a déjà gagné avec son deck ou pas lui, le tournoi? Pas encore, aucun des deux. Bon, son deck est pas trop mal en tournoi, il a les cristaux et les deux statues qui sont pas mal contre les decks rush, parce qu'il permet d'avoir ses cartes hautes assez rapidement dans la partie. Et les statues contre le rush, c'est quand même ce qu'il y a plus, l'une des cartes les plus efficaces. Fort oncle squelette, grâce à l'ange noir et les pareils, les statues, dragons, tout ça. Fort contre les autres decks power parce qu'il a les deux sorts de glace. Honnêtement, j'aime bien son deck. Il est fort. Après, contre du drapeau, attention, ça doit dépendre du tirage quand même, je pense. Bon, voilà. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.